Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition du Grand JT des Territoires sur vos chaînes locales et régionales de la TNT et sur TV5Monde. Voici tout de suite les titres de l'actualité de cette édition. Avec ce Covid-19, c'est une pénurie de main-d'œuvre que l'on constate partout en cette période de pandémie. Embaucher est devenue mission impossible, ou presque, comme a pu le constater une équipe de TL7, la télévision de la Loire. La baguette low cost dans ce journal, voilà une initiative qui passe mal, celle des supermarchés Leclerc qui propose une baguette à 29 centimes seulement. Vous entendrez dans ce journal les réactions des professionnels de la filière, recueillies par nos confrères de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest à Bordeaux. Et puis dans ce journal, le système des parrainages remis en question. Vous le savez, seuls les candidats qui auront récolté les fameux 500 signatures de maires pourront se présenter à l'élection présidentielle. Une règle qui a ses limites, comme vous allez pouvoir le voir dans ce reportage de Vosges Télévisions. Et puis à la fin de ce journal, vous verrez les toutes premières images d'un taxi volant que l'on doit à la chaîne Via 95. Taxi qui pourrait être mis en service à l'horizon 2024. Finalement, vous constaterez avec nous que le futur, c'est demain. Pénurie d'intérimaires, trains annulés, chantiers ralentis, voire repoussés pour cause d'employés malades ou déclarés cas contact. C'est une des conséquences du Covid-19 et comme je vous le disais en titre, les agences d'intérim peinent à trouver de la main-d'œuvre, comme vous allez le voir dans ce reportage de Céline Ercilia de TL7, la chaîne de la Loire. Regardez. Dans cette société de carrelage, l'année commence plutôt bien. Les carnets de commandes se remplissent. Seul problème, il manquerait un peu de main-d'œuvre pour réaliser les chantiers. On a une équipe de 12 personnes et il y avait déjà une personne qui était cas contact, plus quand j'ai demandé à la société de Thomas Intérim pour les intérimaires, il y a eu des choses aussi qui n'a pas pu être présent comme il aurait voulu à donner des personnes pour ses collaborateurs parce qu'il y avait des cas contacts et Covid. Donc oui, tout le monde est touché. Le chef d'entreprise a dû apprendre à jongler et doit régulièrement expliquer les retards de chantier à ses clients. La société pourrait facilement prendre 4 ou 5 intérimaires. Mais là aussi, il y a un manque. Les entreprises sont à l'affût de tous les profils qui se présentent comme ici, un candidat sans expérience qui veut se reconvertir dans un travail d'extérieur. On l'a proposé dans 7 entreprises à 11h, à 14h, sans expérience. Il y a 4 entreprises qui veulent le profil. En ce moment, la crise du Covid plombe les missions, mais il y a derrière une vraie problématique. On a une énorme demande et on est pénalisé, les entreprises sont pénalisées par le manque de salariés qu'on arrive à détacher. Mais à la sortie de cette crise, et je ne sais pas quand est-ce que ça sera, nous verrons bien. Mais le problème aujourd'hui, je pense que le Covid cache un peu c'est l'arbre qui cache un peu la forêt, quoi. Cette agence d'intérim tente de couvrir les besoins d'une centaine d'entreprises sur son bassin, mais une quarantaine de missions restent encore à pourvoir et le phénomène pourrait bien perdurer, même en fin de crise sanitaire. Voilà, et puis de l'aéronautique à la santé, il n'y a qu'un pas qu'a franchi une entreprise installée à Varilhes, en Ariège. Le groupe leader mondial du rivet aéronautique a fait un virage à 180 degrés et produit aujourd'hui 600 masques chirurgicaux à la minute. Une réindustrialisation, en somme, réussie. Saluée par Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée chargée de l'industrie, que Jonathan Donzé de Via Occitanie a pu interviewer. Regardez. Un champion de l'industrie aéronautique reconverti dans la production de masques. L'usine HAG Médical s'est lancée dans leur fabrication et compte devenir d'ici moins de 10 ans le leader mondial de cette nouvelle filière. Notre métier historique est le métier de fabricant de masques et c'est là où ça nous est sauté aux yeux, où on a dit c'est vraiment ça, que c'est vraiment le même métier, c'est ce qu'on sait faire. C'est un produit avec des forts volumes, de la technicité et peu de marge. Pour diversifier son activité, l'entreprise a été aidée par l'État à hauteur de 3,5 millions, ce qui a permis l'investissement dans une quarantaine de machines, de quoi produire aujourd'hui 600 masques à la minute. C'est un très bel exemple ici de montrer qu'on peut passer de l'aéronautique à la santé. Ça, c'est pas du tout la même production, c'est pas du tout la même matière, c'est pas du tout les mêmes machines, mais c'est la même logique de fonctionnement, de rigueur, de recherche de performance, de travail de développement, d'innovation. Les principaux clients sont Naval Group, Airbus et de nombreuses cliniques et pharmacies. HAG Médical produit actuellement 30 millions de masques chirurgicaux par mois. Le projet permettra à terme la création de 150 emplois.
Voilà, et puis c'est la polémique du moment, tout le monde en a parlé cette semaine. Vous le savez, les supermarchés Leclerc ont proposé une baguette à 29 centimes d'euros contre 90 centimes en moyenne dans les boulangeries traditionnelles. Agathe Bilstein de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, s'est rendue dans la région bordelaise recueillir les réactions de professionnels à ce qui s'apparente à un véritable coup de com'. Regardez. Un symbole de la tradition française au cœur du débat. Actuellement, le prix moyen d'une baguette est de 90 centimes, mais au nom de la défense du pouvoir d'achat des Français, le patron des magasins Leclerc a décidé de bloquer le prix de ce produit à 29 centimes. Pour beaucoup de professionnels de la filière, ce choix est vécu comme une déclaration de guerre. Ce boulanger, lui, relativise. Ça n'a strictement rien à voir. Ni la façon de faire, ni la façon de... Ni le goût, ni il y a rien qui, c'est incomparable. Les clients ils continuent quand même à venir et à consommer ce qui est bon. La farine qu'utilise l'enseigne de distribution n'est pas la même que celle destinée aux boulangeries artisanales, ce qui explique le prix compétitif. Elle serait de moins bonne qualité. Si Michel-Édouard Leclerc se justifie en voulant défendre un symbole ainsi que le pouvoir d'achat des Français, pour les syndicats d'agriculteurs, c'est une manière de détruire leurs valeurs. Quoi qu'il arrive, tous les efforts que peuvent faire les producteurs français sur la qualité, en ayant ce genre de communication du moins 10 ans, ce n'est pas une bonne image, ça c'est sûr. C'est probablement une concurrence déloyale. Et est-ce que vraiment c'est à prix coûtant ou est-ce que ce n'est pas une forme de distorsion de concurrence ? Merci. Une moins bonne qualité peut-être, mais certainement un gros coup de communication pour un produit qui a toujours autant de succès. En France, 320 baguettes sont produites et consommées chaque seconde. Voilà, et puis sans transition, la politique avec la récente défection d'Arnaud Montebourg. Il reste 43 candidats à l'élection présidentielle. Et je vous le disais, pour pouvoir se présenter à la magistrature suprême, chacun d'entre eux doit se munir des précieux parrainages, les 500 signatures de maire. Une règle établie en 1965, de plus en plus questionnée par les élus eux-mêmes, comme vous allez voir dans ce sujet signé Aurélie Colombel de Vosges Télévisions. Le 27 janvier prochain s'ouvre le recueil des parrainages pour les élections présidentielles. Les candidats déclarés ont jusqu'au 4 mars pour recueillir 500 signatures d'élus réparties sur tout le territoire et provenant d'au moins 30 départements. On est assaillis, il faut bien le dire, parce que quand je dis 50, c'est peut-être plus un candidat potentiel à cette élection présidentielle. La maire de Nomexi, 2000 habitants, en reçoit plusieurs par semaine. Quand c'est par courriel, c'est très informel, hein, donc c'est une présentation synthétique, hein, avec des liens des fois qui renvoient sur des programmes ou pas. Alors après, savoir s'ils sont constitués en équipe, on peut supposer que les candidats, les majors, sont bien structurés et organisés pour avoir des équipes, et les autres petits candidats, dont on ne connaît pas le nom, hein, auront beaucoup plus de mal à se structurer. Députés, sénateurs, conseillers régionaux, départementaux, présidents d'intercommunalités et maires peuvent apporter leur signature. À ce jour, sollicité en tant que maire, mais pas sous sa casquette de conseiller départementale, Martine Boulia ne compte pas offrir son parrainage. J'ai été élue en ma qualité de maire pour porter un programme et un projet pour une collectivité, donc la commune de la ville de Nomexi, pour un territoire et pas pour un territoire national. À cela s'ajoute pour certains la crainte de subir des représailles dans les urnes, des pressions de partis ou du chantage des collectivités. Le parrainage, ce n'est que permettre à une pensée politique de pouvoir exister dans la campagne présidentielle. C'est pas toujours perçu comme cela, c'est perçu pour dire « ah ben oui, lui il soutient ». Ce sont les petits candidats ou ceux sans ramification territoriale qui peinent à obtenir des 42 000 élus une signature. Alors comment permettre une représentation des idées ? Jean-Luc Mélenchon propose un parrainage citoyen. Autre solution ? On pourrait envisager d'élargir le nombre de gens susceptibles de donner des parrainages. Et pourquoi ne pas alors permettre que la diversité des conseillers municipaux, qui sont tous des élus de la République, puisse conduire à parrainer des gens qui ne sont pas forcément à la tête des communes ? Lors de la dernière élection, 4000 élus avaient apporté un parrainage en dehors de leur parti. Reste un dernier blocage, et non des moindres, celui de la capacité à financer une campagne présidentielle. Voilà, et puis toujours la politique,
A-t-on cramé la caisse, comme Valérie Pécresse l'a souligné dans ses interventions de candidate à l'élection présidentielle? En tout cas, cette semaine, Olivier Dussopt était l'invité de Face au territoire sur TV5 Monde. L'occasion pour le ministre délégué chargé des comptes publics de faire quelques annonces et de répondre à Valérie Pécresse, comme vous allez le voir. Valérie Pécresse propose le tout ce qu'il faut. Oui, elle l'a dit l'autre soir à la télévision. Sauf que Madame Pécresse, donc elle dit elle aussi qu'elle aurait dépensé. Madame Pécresse a un bilan. Pas comme vous. Madame Pécresse a un bilan. Le bilan de Madame Pécresse quand elle était ministre du budget, c'est le vote de la loi de finances pour 2012. C'est 15 milliards d'augmentation d'impôts. Et c'est suivi par 5 années de croissance à zéro, de baisse du pouvoir d'achat. Et donc quand Madame Pécresse nous dit qu'on crame la caisse alors que c'est la même qui demande et qui obtient 2 milliards et demi d'euros d'aide, quand elle parle de l'augmentation des impôts alors que nous les avons baissés de 50 milliards et qu'elle-même les avait augmentés de 15 milliards d'euros, quand elle parle de santé alors que si, lorsqu'elle était ministre de l'enseignement supérieur, elle avait fait ce que nous avons fait, c'est-à-dire supprimer le numerus clausus, si elle l'avait fait au moment où elle était ministre de l'enseignement supérieur, oui, nous aurions 15 000 médecins de plus. Donc elle a un bilan, il a son désavantage, il faut qu'elle l'assume. Voilà, et puis nous partons pour l'Isère maintenant. En France, on dénombre en moyenne 151 médecins généralistes pour 100 000 habitants. Mais tous les départements ne sont pas logés à la même enseigne. L'Eure est celui qui en compte le moins et les Hautes-Alpes le plus. Et pour tenter de lutter contre le problème des déserts médicaux, certains s'organisent, comme en Isère, qui a lancé un dispositif qui pourrait bien donner des idées à d'autres. Explication avec Laurie Baillet de Télé-Grenoble, regardez. L'Isère n'échappe pas à la règle. Comme partout en France, la profession médicale vieillit et pour lutter contre les déserts médicaux et faciliter l'accès aux soins, le département de l'Isère a lancé en 2017 Isère Médecins, un dispositif qui veut inciter les internes en médecine générale et les médecins à s'installer dans le département. Alors, le dispositif Isère Médecins, c'est un dispositif qui permet de faciliter l'implantation de médecins généralistes sur le département avec plusieurs actions. Une première action qui est celle d'apporter une bourse d'études de 56 000 euros aux internes en médecine et en contrepartie, ils doivent s'installer pour 570 jours sur le département. Ensuite, il y a une action qui est menée au niveau des médecins installés déjà pour qu'ils deviennent maîtres de stage et permettent aux internes de sortir de l'hôpital et de faire des stages sur l'ensemble du département au cours de leur cursus universitaire. Et puis enfin, il y a bien sûr les aides que nous apportons aux maisons médicales et c'est 100 000 euros qui sont apportés aux porteurs de projets. En 4 ans, ce dispositif a motivé 132 médecins à venir exercer dans le département, comme le docteur Lola Daudel qui s'est installée à Mélan en 2020. J'ai 800 patients déclarés, plus évidemment des patients qu'on dépanne pour des urgences, hein, on reste accessible pour les urgences. J'avais besoin de m'ancrer à un endroit, de faire du suivi, d'être le médecin de famille et je partage l'espace avec une autre médecin généraliste, des kinés, des dentistes et une dermatologue. Comme la ville de Mélan, 421 communes du département sont éligibles au dispositif, selon les critères de 7 médecins généralistes pour 10 000 habitants, avec un âge moyen de 55 ans. Voilà, et puis nous nous rendons du côté de Cholet maintenant, où il y a quelques semaines, une PME du Maine-et-Loire, spécialisée en équipement des véhicules pour l'auto-école et pour l'adaptation handi-conduite, a été choisie par Citroën pour équiper son modèle AMI 100% électrique, dont vous découvrez des images signées Élise Denis de TLC, la télévision locale du Choletais, comme je vous le disais. Voilà, et puis du côté de la Loire-Atlantique, cette fois-ci, une salle de classe équipée de vélos d'appartement ou encore de ballons de gymnastique. Le concept peut paraître étonnant et pourtant il fait ses preuves depuis quelques années. Le lycée de Châteaubriant a voulu expérimenter ce qu'on appelle la classe flexible. Les élèves étudient en mouvement et c'est un réel bénéfice pour leur concentration comme a pu le constater sur place Béa Batty de Télé Nantes. Je suis sur un ballon de gym. Et du coup, ça me permet de faire des petits mouvements pour sauter un petit peu, et puis même pour garder un peu le dos droit. Et puis comme je suis une personne qui aime beaucoup bouger, ça me permet de... Parce que d'habitude, quand je suis sur ma chaise, bah, au bout d'une heure, bah, j'en ai un peu marre et j'ai envie de sortir. Du coup, là, ça me permet de bouger et de rester en place. Des vélos bureaux, des ballons de gym, des poufs et même des tapis de sol. Contre toute attente, nous sommes bien dans une salle de classe. Ces lycéennes sont en terminale accompagnement soins et services à la personne au lycée Moquet-Lenoir de Châteaubriant. Et depuis la rentrée, elle profite de cette salle de classe flexible. Je pense que c'est une bonne idée parce que ça nous permet de travailler en étant tous ensemble, donc c'est plutôt convivial. Ça nous permet d'être assis dans une autre position qu'être assis sur une chaise toute la journée.
La salle de classe flexible, ce concept vient des États-Unis. L'aménagement et le mobilier permettent aux élèves d'apprendre et de travailler en mobilité. Au lycée Moquet-le-Noir, deux enseignantes s'en sont inspirées pour répondre aux besoins de leurs élèves. On a pu constater quand même que nos élèves avaient du mal à garder la posture statique, hein, assise sur une chaise derrière un bureau, que beaucoup bougeaient beaucoup sur les chaises et avaient du mal à rester concentrés en fait tout le temps nécessaire. Donc petit à petit, on a commencé à proposer à certains élèves qui étaient vraiment en demande de mouvement de travailler debout contre un meuble, et on a pu constater quand même les résultats bénéfiques, hein, des évaluations nettement meilleures. Les deux enseignantes effectuent des recherches, obtiennent une subvention de 7 000 euros et la classe flexible voit le jour en septembre dernier. Après 4 mois d'expérimentation, les bénéfices sont déjà visibles, que ce soit en cours classique ou en exercice dirigé, une meilleure concentration et plus de convivialité. La salle flexible est pour le moment uniquement utilisée par les sections professionnelles. Le lycée Moquet-le-Noir de Châteaubriant envisage déjà d'en créer une nouvelle pour les filières générales. Voilà, et puis du côté de Troyes maintenant, il y a tout juste 10 ans, Yann, Nicolas et Jacques-Henri, trois étudiants en école de commerce, créent l'association La Cravate Solidaire pour lutter contre la discrimination à l'embauche. Depuis, plusieurs antennes ont été ouvertes en France, dont une installée depuis un an à Pont-Sainte-Marie, dans l'Aube, où s'est rendue pour nous Meryl Loisel de Canal 32. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. C'est le leitmotiv de la Cravate Solidaire, une association qui lutte contre les discriminations à l'embauche liées à l'apparence. L'idée, c'est donc de valoriser les personnes par rapport à leur image et puis en fait, de leur donner confiance en elles pour passer leur entretien d'embauche dans les meilleures conditions possibles. En fait, on les accueille dans le dressing dans lequel elles sont accompagnées. On leur propose 2-3 tenues en fonction en fait, de leur personnalité, de l'emploi pour lequel elles vont postuler. Et au-delà du conseil en images, la quarantaine de bénévoles propose aussi une expertise en ressources humaines. Des bureaux dédiés permettent aux bénéficiaires de s'entraîner à passer un entretien. Se présenter à un entretien, sous une forme ou sous une autre, nécessite de la préparation et nécessite de l'entraînement. Et c'est sur ces points très particuliers que nous insistons. Que ce soit pour réfléchir la veille au soir à ce que nous allons dire, que ce soit pour chercher le trajet que nous allons prendre pour nous y rendre. C'est une manière d'arriver plus serein lors d'un entretien. Un studio photo complète ces ateliers coup de pouce pour que les demandeurs d'emploi s'approprient jusqu'au bout leur apparence. Je vais les orienter pour les aider à prendre une photo pour leur CV et pour leurs réseaux sociaux professionnels s'ils en ont. L'antenne aux bois a vu le jour il y a un an et 85 personnes ont déjà pu profiter de ces services. Pour 2022, l'association veut expérimenter des ateliers connectés et recherche également des bénévoles pour permettre à ceux qui en ont besoin de continuer à croire en eux. Voilà donc, l'appel est lancé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de lacravatesolidaire.org. Ils sont 20 000 en France. Je veux parler des trufficulteurs. Aidés d'un chien ou d'un cochon, ils cherchent inlassablement ce qu'on surnomme les perles noires, autrement dit les truffes. Et avant que la saison de la truffe ne s'achève en février, Manon aussi, la Vénarde de la Dépêche du Midi, nos partenaires sur place, s'est rendue dans le Lot pour faire la connaissance de Jean-Jacques Fourès et de Pupus, son cochon. Regardez. De ma plus jeune enfance, j'ai toujours cavé avec un cochon. Mon père dressait des cochons tous les ans, et donc tous les ans, on allait chercher des truffes avec le cochon. Depuis 30 ans, les gens préféraient dresser le chien, parce que le chien, on le garde au moins une dizaine d'années. Alors que le cochon, il faut le dresser tous les ans. L'avantage de caver avec un cochon, c'est que lui, il ne ramasse que des truffes mûres. Alors que le chien a le nez plus fin, toutes les truffes qu'il va sentir, qu'il va commencer à sentir légèrement, il va vous les lever. Voilà, sans transition, le 30 décembre dernier, Simon Lopez, jeune clarinettiste de 16 ans, remportait la finale de l'émission Prodige sur France 2. De retour dans sa Haute-Savoie natale, l'adolescente s'est confiée devant la caméra de Victoria Lopez de 8 Mont-Blanc. Écoutons-la. Elle est rarement mise au premier plan. La clarinette demande beaucoup de travail, de souffle et de détermination. Elle a séduit Simon dès son plus jeune âge. Donc, j'ai découvert cet instrument dans un CD audio Piccolo, Saxo et compagnie, donc, que j'écoutais quand j'étais plus petit.
Et dans ce CD, en fait, tous les instruments de l'orchestre se rencontrent au fur et à mesure. Et à chaque fois, un petit air est joué et j'ai vraiment beaucoup apprécié le son de la clarinette. Donc, j'ai commandé une clarinette pour l'anniversaire de mes 7 ans. Et après, je me suis inscrit dans une école de musique. Presque 10 ans plus tard, Simon a remporté la finale de l'émission Prodige, diffusée sur France 2. Suivie par plus de 3 millions de téléspectateurs, cette soirée a permis au jeune homme de faire connaître son instrument au grand public. Prodige, je l'avais aussi fait, et surtout pour ça, c'était pour montrer que la clarinette, c'est quand même un très bel instrument. Enfin, forcément, moi, c'est ma passion. Mais pour montrer au grand public ce qu'on peut faire, la clarinette. Simon a en effet remporté le titre grâce à son interprétation de Klezmer Danse de Martin Frost. C'est un morceau assez réputé en clarinette quand même, qui est très dur techniquement, mais qui est très plaisant à jouer et très dynamique. Et donc j'ai tout de suite accepté cette proposition. La préparation de l'émission a représenté des heures de travail aux côtés de son professeur au Conservatoire de Genève, qui a suivi de près ses prestations télévisées. Je connaissais le résultat, mais en voyant en direct, j'avais le trac quand même. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas eu une erreur jusqu'au dernier moment. C'était émouvant, oui, bien sûr. Avec désormais une bourse en poche et l'enregistrement de son premier album sur le point de débuter, Simon s'ouvre les portes d'un bel avenir musical. Après son bac, il prévoit de se présenter au concours d'entrée des meilleures écoles de musique françaises et suisses. Voilà dans ce journal, après la musique, la littérature, avec la rencontre d'un passionné de Jules Verne, vous allez le voir, qui a adapté son célèbre roman « Le tour du monde en 80 jours » en bande dessinée et qui nous explique en quoi l'auteur était si exceptionnel au micro de Diane Lemoisson de LMTV Sarthe. Il s'agit de Stéphane Chenet, regardez. Jules Verne n'est jamais cité, il n'est pas au brevet des collèges, il n'est pas au baccalauréat. Dans les années 60, on l'appelait le romancier de la science-fiction. Bien non, non, c'est un vulgarisateur. Il avait toutes les données de l'époque et il les a transmises 20 ou 50 ans après ce qui allait se produire. Et il ne sait pas. Trompé. Parce qu'il lisait tout de la bibliothèque d'Amiens à l'époque, toutes les revues qui étaient techniques ou scientifiques. Il les étudiait toutes. Voilà, nous ouvrons une page sport dans ce journal, plus précisément une page consacrée au football. Il n'aura pas fallu beaucoup de temps à l'AS Monaco pour se doter d'un nouvel entraîneur. Aussitôt Nico Kovac licencié, aussitôt Philippe Clément embauché. L'entraîneur belge de 47 ans va devoir relever de nombreux défis, dont celui de faire entrer l'équipe dans le top 5 de la Ligue 1. Un sujet de Yannick Debever pour Monaco Info, regardez. Les résultats. Voilà pourquoi Nico Kovac n'est plus l'entraîneur de Monaco en 2022. Au-delà d'un parcours européen sur lequel il n'y a rien à redire, qualifié pour les 8e de finale d'Europa League, c'est bien la position des Monégasques en Ligue 1 qui faisait grimacer les dirigeants rouges et blancs. 6e, à 3 points du podium, certes, mais à 17 unités du Paris Saint-Germain. We didn't want to enter the top 5 of Ligue 1 in the first half season, and this was never our ambition or intention. And at this point, we feel we need to increase our capacity of our team around the team. Our exposure to making us better and fulfilling our potential, and also increase our capacity of results from day one to the end of the season. Le Belge n'en est qu'à l'aube de sa carrière d'entraîneur, alors pourquoi lui? En partie parce que ces trois dernières années, il a remporté le championnat belge avec Genk d'abord, puis Bruges, ce qui fait du flamand le meilleur coach de Belgique. Son style de jeu est audacieux, attractif et surtout, il fait confiance aux jeunes. We feel he's the perfect fit to move us to the next stage of our own development as AS Monaco and the new chapter. It has player development at the heart of its project, but it also has winning at its heart of its project as well, and the demands of that, and an ambition weekly, daily, to set the right tempo and deliver the right results. Exploiter le plein potentiel de Monaco, voici donc le défi de Philippe Clément en Ligue 1 face au FC Nantes au stade de la Beaujoire. Je vous le disais dans les titres de ce journal, les interminables embouteillages pourraient bientôt être de l'histoire ancienne grâce aux taxis volants
que vous voyez sur ces images de Michaël Joly et d'Angélique Boilet de Via 95. Pour l'instant, en phase de test, nous pourrions voir voler ces engins dans le ciel d'Île-de-France à l'occasion des JO de Paris en 2024. Prix estimé d'une course, une centaine d'euros quand même. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes de la TNT en région et sur TV5 Monde. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.